J'ai choisi la classe à projet théâtre parce que ça m'aide à pouvoir m'exprimer, parler fort, pouvoir articuler. Et je pensais que si c'était une classe théâtre, on serait tous soudés. Parce que l'année dernière, j'ai fait du théâtre et à cause du Covid, on n'a pas pu jouer la représentation. Et moi, j'avais bien aimé, donc j'ai voulu essayer une nouvelle fois. Parce que je suis timide et j'aimerais exprimer mes émotions. Pour être avec ma meilleure amie et parce que depuis tout petit, j'aime le théâtre. Pour travailler ma timidité. Que j'adore les séries et les films et donc j'adore l'acting, etc. Et donc pour moi, je voulais beaucoup faire théâtre pour représenter une pièce. Parce que j'aime le théâtre et je suis venue parce qu'il y a beaucoup de films de Louis de Funès que je regarde et ça m'a beaucoup inspirée pour tout refaire, pour toutes ces petites mimiques, tout ce qu'il fait, c'est très drôle et moi ça m'inspire. Ça te fait des souvenirs, c'est déjà ça. Moi, les animaux, pas vu la queue d'un. Le principal, c'est qu'on lui donne beaucoup d'amour à ce pied beau. Classe Théâtre Saint-Genès existe depuis, je pense, une petite dizaine d'années. On a monté une bonne dizaine de pièces maintenant. Chaque année dans ce système-là, 2 heures semaine, voilà, avec une classe de 30 élèves. Laissez tomber, cher Macha, pas voulu ici. Yael, qu'est-ce qu'on dit? Rien. Les conventions. Ouais, mais je la fais. Bonjour, merci, au revoir. Ça intrigue le théâtre. Pour ceux qui ne le connaissent pas, ça intrigue, ça fait penser à acteurs, ça fait penser à une production, ce sont des mots qu'ils emploient. Changer de costume. Il y en a d'autres qui viennent parce qu'ils sont timides et ils le disent. J'ai envie de me transformer, j'ai envie de décider d'être quelqu'un d'autre. Et puis il y en a parce qu'ils poursuivent tout simplement une activité et un loisir qu'ils connaissent. Ça m'aide à m'exprimer parce que avant j'étais assez timide. Ça me permet d'exprimer mes sentiments et ça permet d'essayer de renforcer ma timidité et du coup moi j'arrive à exprimer plus de choses à travers le théâtre que dans la vraie vie. Le théâtre ça me permet d'exprimer mes sentiments plus facilement, de vaincre ma timidité. Moi ça me permet de me libérer, de porter ma voix, de comment expliquer ça, de m'amuser, de rencontrer des personnes. Ça m'oblige à parler devant des gens et à parler fort, alors qu'avant je parlais vraiment pas fort et très doucement. À m'ouvrir aux autres et justement à exprimer mes émotions. Sympa. Enrichissant. Expérience. Super. Amusement. La solidarité. Jouer. Joie. Bonheur. Et une troupe. Là-bas, tu vois, c'est le chef. Il a un petit drapeau planté sur la tête. Lui, je l'ai bien déposé sur les parois intérieures, à côté du gros chat qui pète. Où ça, un chat qui pète? Pas là. J'aime ce métier parce que j'aime la transmission. Parce que j'ai eu la chance de rencontrer un metteur en scène très jeune qui est venu à l'école primaire et j'ai eu une passion et il m'a ouvert une porte insoupçonnable. Et j'ai jamais oublié, je ne peux pas oublier cette ouverture-là et j'ai envie de transmettre ces possibilités-là, se dire le théâtre c'est pas forcément 3 coups chez Molière, ça peut être beaucoup plus que ça, très différent. On peut avoir des langages et des textes d'aujourd'hui avec un langage approprié et ça ouvre toutes les disciplines. Et ça nous transforme de chrysalide en papillon.